Hello les Troviens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour encore faire des flux, plus de flux, toujours plus de flux et j'espère qu'on va bientôt toucher à la fin. Normalement on est très très proche et on va vérifier ça aujourd'hui. Donc on va commencer, non je sais plus sur quelle touche appuyer, on va commencer par récolter notre beau champ, regardez, du cinabre, des âmes d'or et du maïs cube. Donc on va commencer par le maïs cube, voir si on arrive à looter un truc sympa à l'intérieur. Il n'y a rien d'intéressant dans les maïs cubes, j'ai l'impression. Ou alors, c'est juste moi qui ai, comme d'habitude, une bad luck incroyable en loot. Donc, on passe maintenant. Bah ouais, j'ai rien looté. Donc, là, au moins, on va passer à des trucs qui nous rapportent. On en est sûr. Bon, le maïs, ça nous rapporte vachement. J'ai pas regardé combien on en a eu. Donc, mais, et on vendra tout ça très probablement. Voilà, tout est récolté. Hop. Besoin d'être arrosé, on arrose. Et aujourd'hui, on va récupérer nos flux. On va faire les comptes. Donc là, qu'est-ce qu'il a mis en vente? Bon, des trucs, bah, 2000 flux. Ah oui, regardez, ici, très intéressant, les éclats d'ombre, en fait. J'ai réussi à les vendre plus de 100 flux pièces. Ouais, c'est ça. Plus de 100 flux pièces. Donc moi qui les mettais à 40 au début, j'en ai mis je sais pas combien. Donc voilà, faites attention. C'est-à-dire que plus vous vendez en petite quantité, j'ai dû le dire à tous les épisodes, et plus vous vendez ça cher. Donc là, on a vendu nos 150 petites âmes d'or. Tout ça, ça nous fait du flux, du flux, du flux. Bon, ça nous a pas rapporté beaucoup. On avait 9 millions et quelques, on a 10 millions et quelques. Donc on a fait un peu moins d'un million avec cette vente. On va récupérer tous les flux sur nos alt. Et pour récupérer tous les flux, j'ai besoin de savoir combien tous les persos ont de flux. Donc petit alt numéro 1 à 3 343 837. Numéro 2, avec lui j'avais fait de la mise en vente. Qu'est-ce que j'ai vendu? Oh, tout et n'importe quoi. Donc lui, il est passé de 1 million à 2 millions. Avec lui, on a vendu toutes les ailes de Pégase et on passe de 2 millions 2 à 2 millions 6. Donc bon. Bah, 400 000 flux, c'est pas grand chose. Numéro 3, qu'est-ce qu'il nous a-t-il vendu? De beaux, petite surprise, je sais plus du tout ce que j'avais mis en vente. Oh, je vois déjà, ça me plaît, le costume de l'enfer démoniaque, j'avais mis à 720 000. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, si on avait vu pendant l'épisode ou si je l'avais pas enregistré, mais j'avais regardé un peu pour vendre ce costume et il variait autour des 400, 300, 400, 500. Et j'avais déjà vu beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, j'attendais de voir si son prix variait énormément ou pas, et effectivement son prix varie énormément. Donc hop, voilà, donc notre petite formule flottante qu'on a crafté, un vaisseau éclaireur ici, les cassettes de trésors de titan gelé qui ne font qu'augmenter, elles sont passées à 70 000 flux l'unité. On les vendait à 45 000 flux au début. Bon, il me reste encore 100. Et un miné force rose. Alors ça, j'ai vendu pas cher, je pense. Si, à peu près le prix. Et je suis content parce que je détestais l'item. Non, il va passer à 180 000. Là, vous avez vu, il est à 140, 150. Et puis, 2-3 miné force rose qui vont être vendus. Et il va passer dans les 200 000. Mais je le détestais. J'aimais pas cet item. Je voulais plus l'avoir dans mon coffre. Hop. Donc là, on est passé à 3 300 000. Et numéro 5, voilà, comme dans Umbrella Academy, si vous suivez une série géniale, numéro 5 c'est mon préféré. Donc, il ressemble pas du tout à ça, numéro 5, mais bon, c'est mon numéro 5 à moi. Qu'est-ce qu'elle nous a vendu? Elle nous a pas vendu des coffres des merveilles, oui, oui, c'est elle qui a stocké, j'en ai remis en vente sans, dans votre dos, sans vous montrer. Donc on se fait quoi, 12 000 flux là, par 12 000 flux, on a presque honte, mais vous voyez, c'est une super méthode. Bon, je l'ai dit pendant tous les épisodes, c'est what the fuck. Donc ouais, tout vendu, bon, 6 000, là on se fait 15 000, là on se fait 12 000. Et elle l'a pas voulu, les coffres des merveilles, bah pourquoi les 600, ils sont restés là. Donc, et mon Frovius à 10 millions, il partira jamais? Non, il en reste un à 1 million 100. Donc le mec, il doit se servir de ma mise en vente pour se dire, j'espère que je vais le vendre à 1 million, et après il va retomber à 300 000 flux. Du coup, avec elle, on passe à 73 millions 100 000 flux. Et voilà, dernière enchère placée, vous avez compris le principe. J'ai mis les cœurs des ténèbres au prix des sommes exactes qu'ils avaient dans leur sac. Comme ça, je vais pouvoir récupérer tous les flux. Et voilà, ce moment très solitaire de la connexion et déconnexion de chaque personnage est terminé.
Et on va voir à combien qu'on en est avec tout ça, en sachant qu'on a 6 millions en coffre des merveilles de côté. Donc vous êtes prêts? Attention, roulement de tambour. Et c'est parti. Donc on est à 95 millions de flux, les amis, et plus les 6 millions qu'on a ici en coffre des merveilles, on a atteint notre objectif de 100 millions de flux. Donc on l'a atteint, mais pas tout à fait, parce que je veux qu'il y ait écrit 100 millions de flux ici. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre en vente un peu ces coffres des merveilles. Mais ce qu'on va faire, c'est on va refaire une mise en vente, je vais faire un petit cut et on va faire la fin de l'épisode tous ensemble, une fois qu'il y aura vraiment marqué 100 millions ici, parce que c'est ce que je veux, parce que c'est mon projet. Maintenant, on passe à la fin et on va passer aux 100 millions. On va voir, oui, vous aviez vu, j'avais 95 millions. J'ai acheté un tout petit peu des crédits, j'en ai vu passer à 299 000. Donc voilà, alors qu'ils sont à 320 000 pour l'instant. Et on va voir ce magnifique chiffre de 100 millions de flux écrit une fois sur mon compte. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces 100 millions de flux? Alors, techniquement, déjà, dans un premier temps, il faut que j'achète des crédits. Je vais les transformer en crédits pour pouvoir continuer à vous présenter les packs de crédits le plus rapidement possible quand ils sortent à chaque event. Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention! 3, 2, 1, boum! 101 millions! Et on a enfin atteint notre objectif de la série, qui était d'avoir 100 millions de flux, mais qui était pour moi aussi de pouvoir me débarrasser de tous ces alts, de tous les cleaner, de faire tout ce que j'avais à faire avec eux, pour ne plus avoir à les reconnecter quasiment jamais. Ils ont encore pas mal d'écus de dragon, donc je les reconnecterai pour les prochains luxions, mais je vais plus jamais faire de mise en vente avec eux, plus jamais de farm ou de lichage avec eux. C'est fini, les alts, c'est une histoire ancienne. Oh, j'ai vendu le portail mystérieux dont je vous parle depuis le début de la saison, que j'avais acheté 300 000 flux. Je l'ai vendu enfin, 981 millions de flux, qui a été assez fou pour l'acheter, donc ça devait être le dernier qui restait. Et ça nous fait 2 480 000 flux à récupérer avec Grosse Bouffe. Lui, je croyais qu'il n'avait plus rien à vendre et plus rien vendu. Et j'ai eu une surprise. Hop, en allant sur la deuxième page, j'ai vendu des ailes de papillon du chaos à 900 000 flux. Et voilà, c'est le prix actuel auquel elles sont. Donc voilà, pas d'undercutage. Une belle vente. Et numéro 3, il nous a vendu encore 2-3 petits trucs. Une cube mat prisée, voilà, à 4 000 flux. Donc la vente totalement inutile. L'emblème énergétique, hop, et ça, il n'a pas vendu. On va les remettre dans le coffre, dans lequel il n'ira plus jamais voir ou vendre des choses. Donc, bon, ça va bien entendu pas dans ce coffre. Voilà, hop, là c'est mieux. Et avec numéro 2, est-ce qu'on a vendu des trucs qui rock? C'est ce qui s'est fait plein de flux. On va voir ça de suite. Donc oui, lui là, non, des boîtes à 15 000 flux, c'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça? 3 000 flux, bon, voilà, il n'y a que ces cages de l'ombre. Là, je suis bon, donc là, j'ai fait une vente, j'ai obtenu 80 000 flux, voilà. Et on récupère les cages de l'ombre. Hop, on n'a plus rien d'autre à récupérer. Ça, hop, c'est pas parti, ça, c'est pas parti. Et en tout, avec lui, on a 370 000 flux à récupérer. Et nous y voilà enfin, j'ai récupéré tous les flux des alts. Voilà, fini les alts. Donc moi, c'est mon bonheur. C'était vraiment ne pouvoir trier tous les alts, avoir à se débarrasser de tout ce que j'avais avec eux. Vous voyez, il y avait vraiment énormément à faire. Et maintenant que je suis à plus de 100 millions de flux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mes 100 millions de flux. Tout ce qui va être supérieur à 100 millions et que j'aurai en faisant que de la mise en vente avec Grosse Bouffe et en ne connectant plus personne, j'achèterai des crédits qui me permettront de vous présenter à chaque fois les packs qui sortent. Et je garderai 100 millions de flux pour pouvoir, quand il y a une extension, acheter rapidement les choses aussi qui valent cher au début de l'extension pour pouvoir vous les présenter. Donc voilà, maintenant ces flux sont là et pour les prochaines vidéos.
Tous mes haltes sont enfin à la retraite. Voilà, Grosse Bouffe, lui, va passer en semi-retraite. Je vais continuer à vous faire des vidéos sur Trove, encore pendant un moment en tout cas. En plus de vidéos qui suivent l'actualité, j'aimerais également faire des vidéos où je recompile un peu toutes les informations qui sont éparpillées dans tout un tas de vidéos sur la chaîne depuis des années et où je regrouperai un peu tout ça pour que vous ayez des vidéos qui vous présentent toutes les astuces beaucoup plus rapidement, tout condensé, pour que vous n'ayez pas à chercher des informations qui soient éparpillées dans plein plein de vidéos. Je suis donc heureux, complètement heureux, donc ça s'entend, ça s'entend pas à ma voix. Ouais, voilà. Donc je vous dis, je vous remercie d'avoir suivi la série. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à la faire. Vous avez vu, j'ai un peu essayé de faire un truc un peu monté et tout. Donc voilà, j'ai un peu passé du temps là-dessus. C'était pour finir mes sessions de jeu en beauté, parce qu'effectivement, bah, les sessions de jeu vont se réduire quasiment à néant pour moi. Ça n'empêchera pas les vidéos concernant Trove de continuer sur la chaîne. Et je suis en train de réfléchir à faire prendre un autre virage à la chaîne. Vous êtes beaucoup à me dire change de jeu, passe sur un autre jeu. Mais jouer pour YouTube, ce n'est pas forcément un plaisir. Jouer pour faire des vidéos, moi j'aime jouer pour moi. Donc je ne suis pas sûr de passer sur un autre jeu. Mais je pense peut-être vous proposer du contenu qui pourrait vous plaire. Je suis en train de réfléchir à ça. On se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, faites attention à vous et j'espère que votre rentrée s'est super bien passée. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Bon jeu. Bye bye.